Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Wreckfest, sur l'épisode 2. J'espère qu'il va bien se passer. Le premier, après le montage, en tout cas, j'ai vu que tout allait bien. Je vais essayer d'améliorer un petit peu le son. Je sais pas si je vais faire aussi long pour cet épisode. Parce que j'ai le petit en haut, je suis pas sûr qu'il dorme, donc avec la tondeuse à gazon. On va prendre la tondeuse à gazon. Et puis on va y aller, voilà, donc comme ça vous allez pouvoir la voir cette fois la tondeuse, puisque la toute première épreuve du mode carrière, je l'avais faite en off. Donc jusqu'ici, on n'avait pas pu voir cette fameuse tondeuse à gazon. Je pense que je vais laisser la vue extérieure pour la tondeuse. Parce que de toute façon, vous allez voir, voilà. Sinon, il y a cette vue qui est sympa, ou cette vue. Je vais laisser un petit peu la vue extérieure. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aussi voir la vue extérieure, donc ouais, à un moment donné on se croise. Ça va être un sacré bordel. Ah oui. Ah, on en est là. Oh putain. Effectivement, c'est un sacré bordel cette course. Faut pas se tromper de chemin non plus. Mais bon, je suis pas sûr qu'on soit 16 encore. Hein. Hein, on doit plus être nombreux. Être très nombreux, donc j'ai oublié de regarder pour la sortie sur console s'il y avait des infos par rapport au fait qu'il les repoussait. J'ai oublié de regarder, donc du coup je ne sais pas, je regarderai pour le prochain épisode, j'essaierai de regarder. Bon bah là on a pris les 100 points. On va reprendre la voiture, hein. Déjà que ma voiture elle est pas ouf, mais alors si en plus on y va avec la tondeuse là, on est foutu. Vous voyez là, encore une fois, on a tout qui est écrit en français, sauf en bas, pour le chargement. Bon, par contre cette fois vous m'en voulez pas. Alors, on va mettre un petit peu la vue intérieure. J'essaie en fait, j'y pense pas trop, genre sur grid et tout, j'ai mis un petit peu de vue extérieure, mais c'est vrai que j'y pense pas trop parce que moi j'aime pas ça. Ouais, par contre c'est du rallycross, du coup est-ce qu'il y a le, comme dans les épreuves officielles, le petit morceau de circuit là, où il faut passer au moins une fois, le joker là. Parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas pris le même chemin que nous, les autres. Il faudra que j'ouvre les yeux. Merde. Il faudra que j'ouvre les yeux, je pars dans le décor. Ah, je sais pas s'ils ont fait ça aussi. Qu'il faut prendre le Joker ou pas. Je roule pas très propre là, hein. Quand même. Hein. Pas terrible, terrible cette histoire. Je prends large à tous les virages. Alors, je
suis désolé si vous avez senti, enfin entendu une vibration. C'est mon téléphone. J'ai coupé la sonnerie, mais il est posé pas loin du micro, donc je vais le bouger de là après. Parce que c'est pas super agréable. Bon, deuxième. Hop, je vais le mettre un peu plus loin. Toc. Bon, deuxième. Ce qui est bien, c'est qu'on débloque quand même des pièces pour la voiture. Ah oui, c'est un championnat, là. Du coup, on va avoir plusieurs courses. Je vais aller pousser la fenêtre aussi, vite fait. Voilà, parce que j'ai un voisin qui fait des travaux. Et j'entendais un petit peu taper. Donc, j'étais pas sûr qu'on l'entende ou pas. Dans le micro là, donc je préfère fermer la fenêtre, on sait jamais. Oh le bordel! Ouais, j'aime bien les effets de lumière. C'est vrai qu'on voit sur certains petits détails, certains décors et tout ça, que le jeu il a été longtemps en early access et que du coup il n'est pas au top de ce qu'on peut faire, mais dans l'ensemble, il y a des beaux effets de lumière et tout, il est pas mal. Puis surtout, c'est fluide. On a un bon moteur physique. Avec des vraies collisions. Surtout, voilà. Par exemple, ce que je peux reprocher alors, dans un style différent, hein, mais à un Grand Turismo, est-ce que les gens veulent pas comprendre? C'est pas forcément non plus les dégâts, parce que ça, bon, oui, bien sûr, je trouve pas ça normal. Mais c'est même pas forcément que le fait que ce soit visuel ou pas, mais c'est même le ressenti quand on a des chocs. C'est ça aussi qui est totalement absent dans un GT par exemple. Je sais pas, quand on tape dans un mur, ça fait un chploc et puis bah on repart comme si de rien n'était. Je sais pas, je trouve que y a même pas la sensation d'avoir pris un choc, d'avoir donc je sais pas. Bon là après, forcément, un jeu comme celui-là, on est vraiment dans un jeu où les dégâts et tout, c'est vraiment au centre du truc, puisqu'il faut, il faut très souvent s'éclater la gueule. Donc, forcément, là... Par contre, j'ai vu qu'il y avait des améliorations, on pouvait les mettre que genre au niveau 25, au niveau 30 et tout. Je sais pas comment on y arrive, hein. Est-ce qu'on y arrive avant la fin du jeu? Ah bon, la fin de la carrière, je veux dire. À des niveaux comme ça, parce que je suis niveau 6. Même pas niveau 6 encore. Et on a bientôt fini la première partie de la carrière. En plus, j'aime bien parce que les circuits sont quand même... assez variés, sont plutôt travaillés et tout. Donc, franchement, j'espère sincèrement qu'il va sortir sur console. Parce que je pense que les joueurs PS4 Xbox, pour beaucoup, ils attendent un jeu comme ça. Et qu'il serait content d'avoir ça. Parce qu'on va dire que le seul jeu un peu de ce genre-là, c'est Flatout 4. Et il est pas mauvais, mais c'est pas non plus un jeu extraordinaire. Donc
Donc je pense que les joueurs ils attendraient un jeu comme ça et je pense qu'ils se vendraient pas trop mal. À condition qu'ils fassent pas un portage pourri à l'arrache, évidemment. Mais bon, vu que visiblement il a été repoussé, c'est que je pense quand même que les mecs y travaillent. Mais c'est vrai que quand je vois le temps qu'ils ont mis à le finir, je me suis même dit au bout d'un moment que bah, ça allait être un peu comme certains. On avait eu certains scandales quand on a eu les premières early access de jeux qui n'ont jamais été finis. Bah, je me suis même dit à un moment donné que ce serait le cas de celui-là en fait, hein, parce que ça avançait plus, il y avait quelques mises à jour de temps en temps, mais ça avançait pas vraiment. Et je me suis dit bon, bah, en fait ils vont jamais le finir les mecs, on a payé une early access, puis on n'aura jamais rien d'autre qu'une early access quoi. Ah non, j'étais libre aussi du coup, ok. Donc, c'est ce que je commençais à me dire, puis finalement, bon bah. Ils l'ont terminé, puis en plus, bon, sur PC, on a aussi les mods, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait, parce qu'en plus c'était en anglais, donc j'ai pas trop regardé, mais. Et on va tenter de passer là. Donc j'ai pas trop regardé, mais il y a des mods en plus, donc. Ça, c'est des choses qu'on verra pas sur console, par contre, malheureusement, je pense que c'est mort, mais. Après, sur Skyrim, ils l'ont fait, donc. Bon. Comme quoi, c'est pas totalement impossible, mais. Mais je pense que c'est plus compliqué. Bon, bah, en fait, il y a visiblement. Le tour de Joker, hein. Mais tout à l'heure j'ai pas l'impression d'avoir pris un tour de Joker à un moment donné, j'ai toujours pris la même route et j'ai pas été pénalisé donc je ne sais pas. Là pour le coup ça m'a sauvé parce que j'étais pas très très bien parti sur ce virage. Perdu du temps. Moi j'ai pas une voiture qui a beaucoup de patates, hein. Même si je l'ai amélioré un petit peu pour l'instant. Bon bah. Je vais faire la même à chaque fois, hein, puisque je vais rater mon virage à chaque fois. Bon, visiblement dans ce jeu-là, c'est du rallycross sans trop en être non plus, puisqu'il n'y a pas trop les règlements du tour de Joker et tout, visiblement. Ils ont pas l'air trop chiants avec ça. Ou alors, là je vais le prendre 3 fois et puis parce que je suis sûr que je vais recommencer. Alors là on est au 3e tour donc je vais le prendre à chaque fois et du coup j'aurai pas de problème. Oup, oup. Il est en train de me gratter. Du coup j'ai loupé un peu mon virage. Voilà, cette fois on va passer là. C'est qui lui? Ah non, j'étais toujours premier. Donc ce mec-là, il est resté. Il est resté coincé. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, j'ai fait 380 sur 400 et 2 étoiles. Bon, il reste celui-là à faire. Et après les deux où il y a des cadenas. Donc je sais pas s'ils vont se débloquer quand on aura fini celui-là ou pas. Mais je pense. Hein. Ah, c'est un petit duel.
Alors là, j'ai eu le temps de bouger le curseur du deuxième PC et de prendre le virage correctement. Je me suis fait peur en faisant ça parce que je me suis dit je vais jamais réussir à aller bouger le curseur et à remettre le doigt à temps sur le stick pour prendre le virage. Et finalement, j'ai réussi. Bon, je vais faire plaisir à certains, je vais mettre une autre caméra un petit peu. Mais ouais, moi ça me perturbe de jouer comme ça. Ah, vous voyez? C'est mort. Et si j'avais pas mis la vue extérieure, j'aurais jamais fait ça. Ça me perturbe, moi j'y arrive pas, je vois le cul de la voiture partir, la caméra elle suit pas. Du coup je suis pas placé, la caméra elle est pas placée comme il faut. Enfin je comprends pas qu'on puisse jouer comme ça et prendre du plaisir comme ça. On a des sensations qui sont totalement faussées. Non, j'arrive pas là. On voit la voiture partir et la caméra reste fixe derrière. C'est hyper gênant. Et puis je vais pas réussir à le redoubler ce con avant la fin. À cause de cette connerie là. Dégage. Allez. Même en faisant des tonneaux, j'ai réussi à gagner. Bon. Mais ouais, je sais pas pourquoi. J'ai pas la voiture qu'il faut, bah pourtant. Catégorie C, zéro possédé. On va aller voir dans le garage. Bah ouais, donc normalement. Bon, région Europe, c'est peut-être ça qu'il faut. Ouais. Les voitures. Région asiatique, région Amérique, ouais, c'est ça. Il va falloir que j'achète une voiture, mais. Catégorie C, région Europe. Acheter ça hein. Et on va y aller. Est-ce que j'ai encore un petit peu de sous? Pour essayer de l'améliorer un petit peu quand même parce que là. Sinon, on va vite se traîner le cul quand même. Allez, on y va. Non, je veux pas quitter le jeu. On retourne dans la carrière. Voilà, donc là, on a débloqué celui-là. Par contre, après, le dernier, il est bloqué aussi. Mais est-ce que je vais avoir assez de sous? Parce que visiblement, il faudra que j'achète une autre bagnole. Mais.
Bon, c'est un truc avec des califes. Pose-toi. Ouais, c'est encore un truc qu'on va se croiser, ça. Cette histoire, là. Et voilà. Oh mon dieu, oh mon dieu. Faut serrer les fesses à chaque fois, là. Oh putain. En plus, là, voilà, je me retrouve bloqué avec des mecs qui, en fait, sont derrière moi. Oh là là, oh là là là. Tu vois, c'est que j'ai pris des XP en plus pour ça. Oh là là, regardez. Le massacre. Le massacre, le massacre. Demi-finale. Je comprends pas parce que c'est demi-finale, mais on est toujours 24. Ils auraient pu faire des trucs à élimination. Ça aurait été moins le bordel. Ouais, parce que là, pour l'instant, vous voyez, quand j'arrive, il n'y a personne qui arrive en même temps. Parce que voilà, j'ai pas encore trop d'avance. Là, par contre, maintenant, ça va être compliqué. Faut arriver dans le bon timing, mais c'est compliqué quand même de calculer ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Regardez là. Oh, c'est bon. J'ai cru que ça allait arriver au moment où j'allais sauter. Mais non, c'est bon. Vous voyez là, maintenant on est en finale. Et en finale, on est toujours les 24 mêmes. Donc je comprends pas trop, là pour le coup. Pourquoi faire des manches si au final, jusqu'au bout, on est tous là. Mais ça, c'est une arène en fait dans laquelle ils ont fait un circuit parce que c'est les arènes à la Destruction Derby, ça. On a vu le truc sur le côté. Regardez. La rampe à côté, là. Il y a 6 tours cette fois. Oh mon dieu! Oh putain. Ah, du coup, il y a tous ceux-là qui sont passés devant moi, là. Alors, la petite barre qui est en haut des voitures, c'est une barre de vie, hein, un peu. Hein. Alors, il y en a un encore devant, mais lui, en fait, il est dernier. Putain. Il m'a poussé, ce salon. Dégage, ouf. Je l'ai éclaté. Aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh putain. C'est passé. C'est passé, mais j'y croyais pas trop. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Putain, je me suis fait encore doubler par tout le monde là. En plus, on est à la fin.
J'ai tout gagné, et puis arrivé à la fin, je vais me faire avoir bêtement. Ah bah oui. Bon. C'est dommage quand même. Et là, qu'est-ce qu'il me faut? Toutes les régions, mais transmission avant. Voilà. Ouais, mais j'ai pas de sous pour acheter, moi. Les gars, j'ai plus de sous. Comment je fais? Plus ça existe au moins ça. 12 000. Il y a celle-là, 5 600, il m'en manque la moitié. Hein. Bon. Ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi de mon côté, je vais refaire des trucs pour essayer de débloquer des crédits. Et puis, j'achèterai la voiture. Et on se retrouvera pour terminer ça. Et puis, bah, on continuera après en national amateur. Après, vous avez vu, on n'est pas obligé de tout faire. Voilà, là, il suffirait que j'en refasse un, par exemple celui-là, où j'ai fait 90 sur 200. Et on arriverait à 1 600 si je fais mieux. Et ça suffirait pour débloquer la suite. Mais j'aimerais bien quand même tout faire. Donc je vais essayer de débloquer des sous pour acheter la voiture. Et après, on fera celui-là. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.